Alors, du coup, on se retrouve pour la dernière partie. On est dans notre partie 3, le grand B, les effets contradictoires d'une politique de dépenses publiques. Donc, face aux fluctuations de la croissance économique, c'est ce qu'on appelle le cycle économique, okay? Période de récession quand on est bas, période d'expansion quand on est haut, etc. Les recettes et les dépenses publiques exercent spontanément ce qu'on appelle une action contracyclique, contre le cycle économique. C'est-à-dire, quand ça se casse la figure, les dépenses publiques sont censées redonner un coup de jus, d'accord? Et inversement, et ça on l'a moins souvent, hein, essayer de calmer un peu le jeu quand on sent que ça s'énerve un peu trop. Ok? Ce qui va à l'encontre du coup du cycle économique, c'est la notion de contracyclique, hein, sur l'activité économique. On parle des stabilisateurs automatiques. D'accord? Donc, en cas de récession, alors là, les dépenses publiques, elles vont avoir tendance à augmenter. D'accord? Il y a plus de prestations qui vont être versées, par exemple pour le chômage. Et les recettes publiques vont avoir tendance à diminuer. J'ai moins d'impôts, par exemple, parce que c'est la crise économique, que les gens sont moins riches et que les entreprises font moins de profits. Okay? Donc, on a automatiquement, en cas de récession, finalement, le déficit public qui va se creuser, et on l'a très bien vu avec la crise du Covid, hein, pour atténuer la récession. Donc, on va regarder une petite vidéo qui va vous expliquer ça et expliquer aussi la dimension théorique, d'accord? Parce que là, on est clairement dans un débat théorique entre les économistes. Alors, sais pas si je vais avoir droit. Ah, si, hop, 2 secondes. Austérité ou relance, comment choisir? Pour diminuer le poids de sa dette par rapport à son PIB, un État peut mener soit une politique d'austérité, soit une politique de relance, en faisant varier ses dépenses et ses impôts. Ce choix est influencé par la valeur d'un indicateur appelé multiplicateur. Pour certains économistes comme Keynes, ce multiplicateur est forcément supérieur à 1. L'État devrait donc mener une politique de relance, c'est-à-dire augmenter ses dépenses pour augmenter son PIB. Par exemple, un État paie une entreprise 100 000 euros pour construire une école. Il creuse donc sa dette de 100 000 euros. Sur les revenus versés par l'entreprise à ses salariés ou ses fournisseurs, 20% seront épargnés et 80% seront consommés pour acheter des biens ou des services, soit 80 000 euros de dépenses supplémentaires. Sur ces 80 000 euros dépensés, 20% seront épargnés et 80% seront dépensés, soit 64 000 euros de dépenses supplémentaires dans l'économie. Ce processus d'épargne et de dépenses va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de revenus à épargner ou à dépenser. Si on fait la somme de tous les montants dépensés dans l'économie, on arrive à un total de 500 000 euros pour une augmentation des dépenses publiques initiales de 100 000 euros. L'augmentation des dépenses publiques, et donc de la dette, a entraîné une augmentation des dépenses privées et a conduit à une augmentation encore plus forte du PIB de l'État. Sa dette a augmenté moins vite que son revenu. Pour d'autres économistes, le multiplicateur est inférieur à 1. En effet, selon eux, lorsqu'un État augmente ses dépenses, les ménages subissent ou redoutent l'augmentation des impôts. Ils vont donc préférer épargner leur supplément de revenus plutôt que le dépenser. Cet argent ne sera pas réinjecté dans l'économie et l'augmentation des dépenses publiques conduira à une baisse ou à une augmentation moins forte des dépenses privées. La dette de l'État augmentera alors plus vite que son revenu. L'État devrait donc suivre une politique d'austérité, c'est-à-dire baisser les dépenses publiques et ou augmenter les impôts. Les économistes ont toujours débattu de la manière de calculer les multiplicateurs. Aujourd'hui, de nombreux économistes, dont ceux du FMI, pensent que les multiplicateurs seraient supérieurs à 1. Les États devraient donc se tourner vers une politique de relance. Cependant, cette politique paraît risquée pour de nombreux pays, car si le multiplicateur n'est en réalité pas supérieur à 1, cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie et sur la dette.
Alors, vous allez me dire que j'ai mis beaucoup de vidéos de Dessine-moi l'écho dans ce chapitre. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que c'est bien, d'accord. Donc, Dessine-moi l'écho avait même fait une année une façon de réviser son bac quasiment uniquement avec des vidéos de Dessine-moi l'écho. Oui, enfin, je veux dire, quand c'est bien et que c'est plus, je trouve, plus un peu plus ludique et moins chiant qu'un document, je vous mets des vidéos de Dessine-moi l'écho et sur ce sujet, il y en avait pas mal, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'une politique de relance et qu'est-ce qu'une politique d'austérité? Alors, vous avez les définitions, hein, mais il faut que ce soit assez simple. Donc, une politique de relance, ça consiste à augmenter les dépenses publiques et ou diminuer les impôts. D'accord? Donc, je relance, j'augmente les dépenses publiques, c'est surtout ça l'important, et ou diminuer les impôts. Une politique d'austérité, elle, consiste à diminuer les dépenses publiques et ou augmenter les impôts. D'accord? En fait, vous voyez que ça se joue, c'est essentiellement sur la dépense publique que se joue la différence de relance. Est-ce que l'austérité, je cherche à diminuer les dépenses? Est-ce que la relance, je cherche à augmenter les dépenses? D'accord? Quel est le point de départ d'une politique de relance? Eh bien, la vidéo vous le montre bien, pour qu'une politique de relance fonctionne, pour mettre en œuvre une politique de relance, il me faut une dépense initiale de l'État. Dans quel cas la politique de relance est-elle efficace? Dans la vidéo, il vous l'explique, mais c'est quelque chose de très théorique, hein, que vous ferez en fac, c'est lorsque le multiplicateur d'investissement est égal à 1. Du coup, quels sont les avantages attendus d'une politique de relance? Alors, expliquer ce qu'est l'effet multiplicateur de Keynes. Donc, pas évident, hein, on va le faire ensemble, mais vous avez une partie de l'explication dans la vidéo. Donc, le multiplicateur, en fait, montre qu'une dépense initiale de l'État va avoir une répercussion multipliée sur l'activité économique et le PIB. Ça, c'est le principe général. Le multiplicateur montre qu'une dépense initiale de l'État, augmentation d'investissement public ou des revenus sociaux, par exemple, va avoir une répercussion multipliée sur l'activité économique et le PIB. Pourquoi ? Le schéma qu'on peut faire, on aurait pu faire un schéma, hein, ça aurait été plus simple, hein, mais vous l'avez un petit peu dans la vidéo, c'est qu'en fait, cette dépense initiale va amener à une distribution de revenus. Ces revenus, ils vont ensuite être consommés, ce qui va relancer la production, l'activité, sur différentes phases, d'accord? Donc, ma dépense, mon investissement initial amène à une distribution de revenus qui amène à de la consommation, ce qui relance du coup la production, qui amène à une distribution de revenus, qui amène à de la consommation, qui relance la production. Tout ça, ainsi de suite, à condition que mon multiplicateur d'investissement là soit supérieur à 1. Sinon, c'est pas le cas. D'accord? On va voir qu'il y a des fuites et qu'on peut pas appliquer ça parfaitement. Sinon, ce serait trop beau. Donc, l'exemple portugais du portugais de la relance. Donc, le Portugal peut enfin souffler. Le pays n'a presque plus de déficit budgétaire, hein, et bénéficie même d'une des meilleures croissances de la zone euro. Alors, c'était en 2018. Je pense que, pareil, avec le Covid, ça va changer. Pourtant, il y a encore 2 ans, le Portugal était sous le coup d'une procédure pour déficit excessif lancée par la Commission européenne. L'Union européenne préconisait une politique d'austérité avec une baisse des dépenses publiques, un assouplissement du code du travail et une diminution de la protection sociale. D'accord? Alors, cette phrase qui peut sembler un peu neutre, entre guillemets, n'est pas du tout neutre. Elle est très importante. Ça veut dire que au niveau européen, on prône une politique d'austérité. Donc, comme vous l'avez vu, quand on est plutôt du côté de la relance, on va plutôt être d'un côté keynésien, alors que quand on va être du côté de... lorsqu'on est du côté de l'austérité, on est plutôt d'un côté libéral, néolibéral, d'accord? Donc,
Ça veut dire qu'en fait, l'Union européenne et la Commission européenne mettent en avant une politique économique qui se base sur des théories économiques qui sont orientées. D'accord ? Il faut pas. Je vous demande vraiment de retenir ça. Il faut sortir de cette idée que les gens qui nous gouvernent prennent des décisions économiques qui sont neutres. Je vous ai toujours dit, l'économiste qui vous dira moi je suis neutre, je ne fais pas de politique météo, enfin je suis objectif, excusez-moi, est un menteur. L'objectivité en économie n'existe pas. Vous faites toujours référence à des, lorsque vous proposez hein, le constat, si je dis le chômage c'est tant, là c'est objectif, hein, mais je veux dire quand vous allez être dans du conseil, faire ça entraîne ça ou faire ça entraîne ça, vous êtes toujours dans une théorie économique donnée et donc une certaine orientation politique globalement. D'accord ? Vraiment, je retenais ça. Donc, pour réduire les déficits publics, l'Union européenne préconisait une politique d'austérité. Le gouvernement de coalition gauche-extrême-gauche d'Antonio Costa adopte des méthodes aux antipodes de ses recommandations et du gouvernement précédent. Une politique de relance par la demande, marquée par une augmentation des recettes, des allocations familiales et du SMIC. Et cela fonctionne, n'en déplaise à Bruxelles. Le Portugal a enregistré en 2017 une croissance de 2,7%, soit la plus forte hausse du PIB annuel de l'année 2000. Depuis l'année 2000. Ah oui, depuis l'année 2000. D'accord ? Donc, au passage, vous avez l'opposé inverse. L'opposé inverse, c'est la Grèce. En Grèce, c'est le contraire. On a imposé une politique de rigueur très forte à la Grèce, hein, qui a, on peut le dire, tué des gens, des suicides, et a fait diminuer l'espérance de vie, etc. Donc, réduction des... Voilà, la Grèce a eu beaucoup de temps avant de retrouver une certaine croissance. D'accord ? L'État peut mener une politique de relance volontariste en augmentant ses dépenses, notamment d'investissement, et en s'appuyant sur l'analyse du multiplicateur, l'effet du multiplicateur. Une politique de relance augmente les déficits publics, sauf si la reprise engendre des rentrées fiscales supplémentaires. D'accord ? Il y a un décalage, on dépense, mais l'idée c'est qu'après, mes stabilisateurs économiques vont faire que je vais augmenter mes recettes et diminuer mes dépenses. Moins de personnes au chômage et plus d'argent qui rentre parce que plus d'impôts et des gens plus riches globalement. Ok ? Donc, les risques d'une politique de hausse des dépenses publiques. Maintenant, on va voir l'opposé. Donc, on a été dans une vision keynésienne des choses. On est maintenant dans une vision plus globalement, pour le dire libéral, néoclassique, pour le dire, c'est mieux voilà, de le dire de cette façon-là, mais donc libéral des choses. Ok ? Pourquoi j'aime pas. Enfin, Keynes c'était un libéral, d'accord ? Un peu particulier, mais il n'a jamais remis en cause le libéralisme, hein, Keynes. Donc, effet d'éviction et achat à l'extérieur. Document 17. Effet d'éviction, les ménages épargnent au lieu de consommer. Quand l'État emprunte pour financer sa relance, les agents savent qu'à terme, le taux d'imposition augmentera pour rembourser cet emprunt. Du coup, en prévision des impôts futurs, les agents augmentent aujourd'hui leur épargne. L'efficacité de la relance est contrecarrée par les agents qui raisonnent de manière intemporelle et même intergénérationnelle. Les agents savent que le recours à l'emprunt est synonyme d'une imposition différée dans le temps qui pèsera sur les générations futures. D'accord ? Donc là, l'idée, hein, c'est, mais on l'a par exemple avec cette dette Covid, on a beaucoup financé les entreprises pendant le Covid. Faudra-t-il ou non, mais c'est une vraie question, rembourser cette dette. D'accord ? Deuxième point, quand la recette
quand la reprise profite à l'extérieur, dans des économies très ouvertes sur l'extérieur, ça veut dire avec beaucoup d'importations et d'exportations. La hausse de la demande globale due à celle des dépenses publiques ne profite pas toujours aux entreprises résidentes. Les ménages peuvent acheter des biens de consommation à l'extérieur, comme les entreprises, pour leurs dépenses d'investissement. Oui, si vous avez un peu plus de sous, est-ce que vous allez consommer que des produits français ? Bah, vous allez peut-être acheter des vêtements qui ont été produits en Asie, vous allez peut-être acheter des télés qui ont été produites, une voiture qui a été produite par exemple dans les pays de l'Est, des choses comme ça, d'accord ? Donc, et pareil pour les entreprises. Hein. L'exemple de la relance Mauroy, Premier ministre de Mitterrand en 1981, est un vrai cas d'école, plus de 10 milliards de francs injectés dans l'économie sans effet notable sur l'activité économique, mais avec un déficit commercial record et une forte inflation. En gros, en achetant beaucoup à l'étranger, avec cet argent supplémentaire, les Français ont beaucoup acheté à l'étranger, ce qui n'a pas du coup relancé la production au niveau local. Et ça, pour moi, hein, je pense que c'est vraiment quelque chose, un des effets les plus qui limite le plus ces politiques de relance. Alors, maintenant, le troisième point, c'est les effets d'éviction des dépenses publiques sur l'investissement privé. Et c'est ce graphique-là. Donc, sur le marché des fonds prêtables, donc je suis à une situation initiale hein, où je vais avoir... Alors, c'est volontaire hein, de faire ça comme ça. Hein. Bon, une situation initiale, j'ai des fonds qui peuvent être prêtés, d'accord. Je vais avoir une demande de fonds prêtables et une offre de fonds prêtables. Ma demande, elle est ici. On comprend, quand le taux d'intérêt est très élevé, bah, vous ne voulez pas beaucoup de fonds parce que ça vous coûte cher. Et quand le taux d'intérêt est faible, vous voulez beaucoup de fonds parce que ça vous coûte pas cher. Okay, à l'opposé, l'offre de fonds prêtables, hein, bon, bah, lorsque leur taux d'intérêt est très faiblement rémunéré, ils sont pas prêts à en prêter beaucoup, alors que lorsque le taux d'intérêt est très élevé, ils sont prêts à en prêter beaucoup. Et comme d'hab, tac, tac, deux courbes qui vont pas dans le même sens, on a un point d'équilibre, c'est-à-dire que tous les individus qui soient prêteurs, offreurs ou demandeurs qui acceptent de s'endetter pour ce taux d'intérêt là, R1, trouveront alors preneurs. D'accord ? Trouveront des gens pour financer leur emprunt et d'autres, et les autres qui sont prêts à s'endetter. Du coup, l'idée c'est quoi ? C'est que si ces dépenses publiques, cette relance, je la finance avec de l'emprunt. Ça veut dire que sur mon marché des fonds prêtables, eh bien, je vais avoir une offre, une demande, c'est l'État qui va demander des fonds prêtables pour financer son déficit. D'accord ? Donc, l'augmentation de la demande, on le voit, c'est le passage, le déplacement de ma courbe de D1 à D2. Vous vous rappelez, on ne se déplace pas là sur ma courbe, on déplace la courbe. J'ai plus de demandes, d'accord ? Vous pouvez prendre n'importe quel point, voilà, je passe de cette demande-là pour faisons-le pour le niveau de mon taux d'intérêt d'équilibre. Bon, bah, pour ce niveau-là, je passe de cette quantité-là, F1, à cette quantité-là. Ok ? Donc ça, c'est l'augmentation de ma demande de fonds qui est liée au financement du déficit public. D'accord ? Du coup, si on a une augmentation de la demande, pour le coup, on n'a pas forcément une augmentation de l'offre. D'accord ? Là, les deux coûts. Donc, forcément, pour arriver, donc, augmentation, hein, pour arriver de nouveau à l'équilibre, ben, on voit que finalement, on va avoir une augmentation de mon taux d'intérêt. Mon taux d'intérêt d'équilibre passe de R1 à R2. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que finalement, ce passage de R1 à R2, eh bien, on voit qu'il va avoir tendance à, vu que le taux d'intérêt est plus cher, à dissuader certains demandeurs d'emprunter. Ok ? Alors, comment on peut voir ça ? Ben, si mon augmentation à taux égal, si l'augmentation... Oups là, voilà, je remets bien. Si l'augmentation ici, je passe
de cette quantité F1 à cette quantité sur mon point B, hein, bah on voit que finalement, à mon taux d'équilibre de R2, j'ai cette quantité F2. Ok ? Donc, le segment, cette quantité-là, là, qu'on voit ici, là, ok, c'est l'investissement privé qui, du fait de l'augmentation du taux d'intérêt, est découragé. D'accord ? Alors, c'est pas évident, mais il faut que vous essayiez de comprendre. Donc, question 1, quels sont les deux acteurs économiques touchés par le risque, les risques d'une politique de hausse des dépenses publiques ? On en a deux. Qui sont-ils ? Ce sont les ménages avec la consommation et les entreprises avec l'investissement. Et les ménages aussi un peu avec l'investissement. Mais principalement les entreprises avec l'investissement. Quelles sont les deux raisons qui peuvent limiter le multiplicateur? Alors, là, ça va être assez long. Hein. Je vous mets. Donc, première raison, c'est l'effet d'éviction. L'effet d'éviction, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, l'effet d'éviction, c'est l'augmentation. C'est le fait que l'augmentation des dépenses, excusez-moi, l'augmentation des dépenses publiques, va entraîner de la part des ménages une augmentation de leur épargne. Pourquoi ? En vue des hausses d'impôts pour financer le déficit. Ok ? Je reprends avec mes mots, entre guillemets. On sait qu'on va devoir rembourser le déficit, donc on met plus d'argent de côté. Ok ? Le financement, ça c'est du point de vue des ménages. Donc, ça veut dire que je ne vais pas consommer tout l'argent que je reçois en plus lié à cette relance, je vais en épargner une grosse partie. Donc si je l'épargne, je ne participe pas à la relance de l'activité économique. Côté plutôt entreprise, hein, le financement du déficit public par l'emprunt va pour sa part augmenter le taux d'intérêt sur le marché des fonds prêtables. Augmentation de l'offre, de la demande, excusez-moi, augmentation du taux d'intérêt. Ce qui va décourager certaines entreprises d'investir. D'accord ? Vu que le taux augmente, et un certain taux d'intérêt augmente, certaines entreprises ne veulent plus investir. La deuxième partie, ce sont des fuites vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on a vu précédemment. Fuite vers l'extérieur. La consommation supplémentaire des ménages issue d'une augmentation des dépenses publiques n'est pas forcément dépensée en produits, avec un S c'est mieux, français. C'est donc la production dans les pays étrangers qui est relancée. Et ça, c'est quand même quelque chose de pas négligeable et de très problématique. Enfin, très problématique. De problématique, d'accord ? Alors, on peut avoir ici une petite illustration. Hein. On voit que quand le déficit public a tendance à augmenter, eh bien, globalement, hein, sans rentrer trop dans les détails, l'investissement privé a tendance à lui diminuer. Ok ? Donc, on va donner la définition d'effet d'éviction. L'effet d'éviction. C'est lorsque la hausse des dépenses publiques, avec un S, c'est en fait c'est mon cours à moi, donc je ne me relis pas, et du coup, quand je vous le mets, quand je vous fais ce genre de cours, il y a des fautes d'orthographe. Se fait, donc c'est lorsque la hausse des dépenses publiques se fait au détriment des ménages, hausse de l'épargne en prévision de futures hausses d'impôts, qui diminue la consommation et des entreprises quand les emprunts de la puissance publique augmentent le taux d'intérêt qui diminue l'investissement. D'accord ? Donc il faut bien avoir les deux, le rôle des ménages et le rôle des entreprises. D'accord ? L'un c'est plutôt un effet d'éviction en fait
par ma consommation, alors que l'autre, c'est plutôt l'effet d'éviction par l'investissement. Ok ? Donc, une politique de hausse des dépenses publiques peut entraîner des effets d'éviction. Hausse de l'épargne des ménages, hausse du taux d'intérêt sur les marchés financiers, rendant plus difficile le financement de l'emprunt. Si les déficits publics sont trop importants ou récurrents, certains États peuvent avoir des difficultés à financer leurs dettes car les prêteurs doutent des capacités de remboursement et exigent des taux d'intérêt élevés. C'est exactement ce qui s'est passé pour la dette. D'un coup, la dette qui s'endettait à un taux qui était très faible a vu ses taux totalement exploser. Pourquoi exploser ? Bah parce qu'en fait, les agences de notation avaient dégradé la note de la dette, de la Grèce, et du coup, en fait, vous vous endettez juste pour rembourser les intérêts de votre dette. Donc, c'est un cercle totalement vicieux. Alors, complétez le schéma en remplaçant les pointillés par des signes supérieurs, inférieurs, ou augmentation et diminution. Du coup, ma politique de relance budgétaire, les recettes, ça veut dire lors d'une politique de relance budgétaire, ok ? Les recettes vont être inférieures aux dépenses. Je dépense plus que je n'ai de recettes. Donc les recettes sont inférieures aux dépenses. Ou pour le dire autrement, les dépenses sont supérieures aux recettes, ok ? Du coup, ça fait augmenter mon déficit public. D'accord ? Ça relance la demande, ce qui fait augmenter ma croissance. Ce déficit public va avoir tendance à faire augmenter la dette publique. Mon effet d'éviction entraîne une augmentation du taux d'intérêt à long terme, ce qui a un effet récessif sur la demande et ce qui fait du coup diminuer la croissance. Le problème, j'ai de l'augmentation de la croissance d'un côté, de la diminution de la croissance de l'autre. On est sur quelque chose de plus ou moins, du coup, sur quelque chose, l'effet global est plus ou moins fort. C'est difficile de trancher. D'accord ? Alors, c'est pareil, ça, cette partie-là, je vais vous laisser la faire et je la corrigerai dans une ultime vidéo de correction très rapide où je vous mettrai ce tableau-là et les trois schémas et les deux schémas que je vous ai demandé de faire, d'accord ? Mais volontairement, je le fais pas maintenant parce que je veux que vous preniez un peu la tête pour le faire, d'accord ? Et si vous y arrivez, c'est-à-dire que vous avez bien compris les choses, ok ? Je sais pas pourquoi. Ok, dernier point, le pour aller plus loin. L'État se finance-t-il comme les autres agents ? Et là, on revient sur quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Quelle est la particularité de l'État et des administrations publiques en matière d'endettement au regard des ménages et des entreprises ? Pourquoi on ne peut pas comparer la dette d'un État avec la dette d'une personne ou d'une entreprise ? Tout simplement parce que l'horizon temporel d'un ménage se confond avec celui des individus qui le composent. Il est fini. D'accord ? Vous vous endettez, vos parents s'endettent, vos grands-parents s'endettent, vos enfants s'endetteront, mais ils mourront. Ok ? Malheureusement, enfin, c'est le cas. Nous mourrons. En revanche, celui de l'État et des administrations publiques qui l'accompagnent dépasse quelques générations. En matière d'endettement, il en découle immédiatement que l'impératif de remboursement complet n'est pas aussi inconditionnel pour les administrations publiques qu'il ne l'est dans le cas où l'horizon temporel est fini. Autrement dit, un titre de dette publique arrivant à son terme peut être remboursé par l'émission d'une nouvelle dette. C'est difficile si vous dites vous devez 10 000 euros et que vous dites je vais me réendetter de 10 000 euros pour rembourser mes 10 000 euros. Oui, mais en fait, à un moment, on ne va pas plus vous prêter parce que vous allez mourir. Okay ? L'État français ne va pas mourir, donc il peut se réendetter pour rembourser sa dette.
Ceci nous amène à la différence de nature entre l'État et les autres acteurs économiques en matière de contraintes budgétaires. La dépense d'un ménage est bornée par l'étendue de ses revenus. En revanche, donc je peux pas obtenir plus de revenus que je n'ai, hein, légalement. En revanche, par le monopole fiscal, l'État et toutes les administrations publiques ont la faculté bien particulière, le privilège, pourrait-on dire, de déterminer le niveau de leurs ressources. L'État peut, ce ne sera pas vendeur électoralement parlant, on ne va pas se le mentir, peut augmenter les dépenses, les recettes publiques. D'accord ? En augmentant les impôts, tout simplement. Alors, il y a des risques, hein. C'est risqué, politiquement, socialement, etc. La preuve avec les gilets jaunes, c'était une augmentation de la taxe. Bon, après, attention, les gilets jaunes, c'était un besoin de justice. C'est-à-dire, pourquoi on supprime l'ISF et, de l'autre côté, on va augmenter la taxe sur le carburant. Vous voyez ? C'était pas, faut pas se tromper, hein. C'est pas, chez les gilets jaunes, il n'y avait pas de l'anti, comment dire, c'était pas de l'anti-impôt. C'était une volonté, un besoin de justice sociale. Pourquoi on fait payer les plus pauvres alors que les plus riches, on leur diminue leur imposition? Et c'est vrai, c'est vrai. Alors, résumé, comment les agents économiques se financent-ils? Dans mon système financier, j'ai des agents avec capacité de financement, ça veut dire qu'ils épargnent plus qu'ils dépensent. Et j'ai des personnes avec des besoins de financement. Mes dépenses excèdent mes revenus. Donc, ici, c'est les ménages, ici, c'est les entreprises et les administrations publiques. Donc, le système financier, c'est l'ensemble des institutions financières qui ont pour fonction de mettre en rapport ces gens qui ont des besoins et des capacités. OK ? Il doit faire appel à l'épargne des agents, des personnes en capacité de financement. Donc, entreprise, si le revenu disponible est supérieur à la consommation, je peux épargner. D'accord ? Consommation future, valorisation de leur patrimoine à long terme. Inversement, si les revenus disponibles sont inférieurs à la consommation, ils peuvent soit puiser dans leur épargne, soit emprunter à une banque pour un crédit. Les entreprises, sur mes bénéfices, je donne une partie aux actionnaires, je conserve l'autre, c'est mon épargne brute, c'est l'autofinancement. Si l'épargne brute est supérieure aux besoins de financement, dans ce cas-là, l'entreprise peut se financer sur ses fonds propres, c'est ce qu'on appelle le financement interne. Si l'épargne brute est inférieure aux besoins de financement, elle doit avoir recours au financement externe. Dans ce cas-là, soit elle peut passer par un financement indirect ou intermédiaire, comme l'emprunt bancaire avec l'intermédiaire qui est la banque, soit un financement direct ou désintermédiaire, l'émission d'actions qui sont des titres de propriété, d'obligations qui sont des titres de créances sur le marché des capitaux. L'argent de la vente des titres sur le marché finance l'investissement. L'État, ses déficits, ses dépenses sont très souvent supérieures à ses recettes. Donc, il a un solde budgétaire négatif, c'est-à-dire un déficit. Du coup, il va retrouver sur le marché des capitaux, émettre des obligations, ce qui fait augmenter la dette publique. Attention, effet de relance peut être attendu, attention à l'effet d'éviction. Okay, marché monétaire, capitaux à court terme, marché financier, capitaux à long terme. Alors voilà, on en a terminé pour ce chapitre, sauf qu'on n'a pas effectivement corrigé les deux schémas que je vous ai demandé de faire et ce dernier tableau. Et je mettrai potentiellement une dernière vidéo, mais après qu'on soit revu, pour vérifier que vous l'avez fait. Je vous remercie.